Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un big craquage chez Geek in Japan. Donc tout rentre dedans et c'est déjà très 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 grand et à savoir que j'en ai eu à peu près je crois autour des 120 euros pour 8 objets. Bon, il y en a 3 qui coûtent super cher et le reste ça coûte quasiment rien mais j'ai quand même craqué. À savoir que Geek in Japan travaille, enfin la boutique était à rue du Loup. Maintenant ils ont déménagé donc je te mettrai l'adresse en barre d'infos et peut-être autour de moi si j'ai pas la flemme et si j'ai le temps surtout pour le mettre au montage. Voilà, donc j'ai fait un énorme craquage à la boutique et parce que j'ai fait un travail à côté de YouTube et j'ai tout dépensé dedans. Voilà. Promis, j'essaierai de ne pas faire la même chose avec le budget, enfin avec ma paye, parce que j'ai déjà été réservée comme photographe pour cet été, pour le mois d'août. Mais promis, je vais essayer de ne pas dépenser tout cet argent dans des figurines ou des conneries. Là, l'argent, je l'ai gagné, je l'ai reçu, je l'ai dépensé. Mais en même temps, Geek in Japan a proposé des figurines. Je ne pouvais pas ne pas les acheter en fait, voilà, et j'ai très très peur de ce que je vais avoir aussi pour mon Noël de la part de mon meilleur ami, je vous le dis clairement dans cette vidéo parce qu'en plus je pense qu'on va être sur le même thème, pas les mêmes objets mais le même thème. Bref, on va attaquer par les tout petits trucs. J'ai craqué sur 3 gaufrettes manga. Alors juste à savoir qu'il faut faire gaffe parce que moi j'avais eu l'habitude d'en avoir au chocolat et je pensais qu'elles étaient toutes au chocolat. Non, il y en a à la vanille. Et le pire c'est que en fait Demon Slayer, My Hero Academia, je pensais que c'était au chocolat, c'est écrit derrière au chocolat et Geek in Japan s'est trompé parce que c'était à la vanille. Voilà, je le replace ici, mais il y a la vidéo dégustation sur TikTok pour prouver au cas où. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'emballage. Je te laisserai aller voir sur TikTok ou sur Instagram. Je crois que je l'ai repartagé aussi sur Insta, la dégustation. Voilà. Avec celle-là. Ensuite, j'ai craqué pour 2... c'est pas des porte-clés, c'est des straps plus pour téléphone, etc. Sur un frère et une sœur. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher. Je ne pouvais pas les séparer. Donc 6,90€ l'un. Donc sinon les gaufrettes c'est 3,50€ x 3. Il n'y a pas de différence de prix, hein, non. Donc là 6,90€ x 2, donc 12. 3 x 3, 9. 10. 11. 10,50€ en gaufrettes. 12 ici. Presque 90€ en figurines. Voilà. Bref. Voilà à quoi ça ressemble. Une petite Chibi Nizuko, un petit Tanjiro avec son parapluie. C'est ça, il a un parapluie derrière. Enfin, je pense que c'est plus une ombrelle qu'un parapluie, mais voilà. Je l'ai sous blister pour l'instant parce que je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre, où est-ce que je vais les exposer. Et je garde même l'espèce de petit cintre que met Geek in Japan, ce qui est très pratique des fois. On sait jamais, voilà. Bref. Et ensuite, on va passer au Deli. J'ai failli acheter la quatrième et je me tâte à aller, dès que je rentre en janvier, à l'acheter. C'est ça, je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir tout le monde. Alors, les deux personnages méchants, on comprendra qui pourra, dans Yu Yu Hakusho, les deux frères, ne pas les avoir, ça va. Même si j'ai pas, là, au moment où je filme, on est le 23. Oui, on est samedi. Et sache que j'ai re-regardé un peu Yu Yu Hakusho. Alors, j'ai fait le live action. J'ai recommencé un petit peu l'animé, mais à la télé. Et c'est juste sur le tournoi au tout début. Donc, faut moi que je retourne à la caisse départ et je me refasse tout Yu Yu Hakusho. Que j'espère arriver à faire avant de revenir sur Bordeaux en janvier. Parce qu'en plus, je rentre 3. Donc, voilà, je veux essayer de tout ou le plus possible regarder d'épisodes. Pour savoir du coup si j'achète ou pas les frères. Alors peut-être pas le petit frère, mais le grand frère potentiellement. J'en sais rien. Bref. Donc vous l'avez compris, ce sont des figurines de Yu Yu Hakusho. On commence par l'amour de ma vie. On commence du coup avec la figurine de Iei. Voilà.
Alors, au cas où, c'est 29,90€ la boîte. Voilà, c'est pour les 30 ans de Yu Yu Hakusho. Je suis trop contente qu'ils aient fait ça, n'empêche. Du coup, il y a les ciseaux, mais où est mon ciseau? J'ai retrouvé Simon. Oui, mon ciseau s'appelle Simon. C'est pour pas oublier qui me l'a offert. Donc, on va les monter ensemble et en fin de vidéo, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je montre en fait les figurines qui tournent sur un fond blanc. Sachant que j'ai déjà 4 figurines de Yu Yu Hakusho, les 2 de Abyss Tai. Et 2 de Abyss Tai et une. Je sais même plus où est-ce que je les ai eues, les 2 autres. Kurama, je sais plus. Ah oui, ils ont carrément fait le manche en 2 pièces. Ok, tout va bien. Ou comment perdre une des pièces qui est le manche, très clairement, parce que vu sa taille. Excusez-moi, on en parle de la taille du manche? Voilà. Ah, mais c'était pour mettre la main. Peut-être que tu. Non, bah non, non pas. Il y a un sens, sachez-le. Il y a un numéro dessus, je me demande si ce n'est pas le nombre de figurines qui ont été créées. Donc si c'est ça, j'ai intérêt à foncer pour acheter les autres. Voilà. Alors, un cale pour son pied, mais là aussi, il faut trouver quel est le bon pied. Voilà. Non, c'est peut-être celui-là. Non, ça ne peut pas être celui-là. Ouais, c'est bancal. Ah oui, d'accord, c'est pour que tu puisses mettre les pieds. Attendez, 2 secondes, là, il faut bac plus 10. Ah oui, d'accord. Ah, c'est le manche. Ok. Ouais, bah dis donc. Faut pas avoir peur de péter sa figurine, hein, je vous le dis. Et il y a un sens là aussi. Voilà. Hop. Il y a un sens pour le manche, pour le foutre dans la main. C'est incroyable ça, par contre. Incroyable dans le sens où c'est bien casse-bonbon, quoi. Voilà. Ça doit être ça. On va dire que c'est ça. Donc voilà à quoi elle ressemble. Pourquoi le focus se fait sur ma main, j'en sais rien. Bref, toujours est-il. On va mettre juste derrière moi. Voilà. Je vais te mettre assez loin pour pas que tu puisses tomber tout seul. On sait jamais. On continue cette vidéo avec le grand, le majestueux, le terrifiant. Koenma. Voilà, pour ceux que, je pense que ceux qui ont vu la version animée, vous comprenez ce que j'ai essayé de faire comme référence. Alors sachez aussi que pour ceux qui regarderaient cette vidéo, que j'ai vu donc le live action, que je vais re-regarder l'animé et qu'en janvier je ferai une vidéo avis manga, enfin animé vs live action, sachant que je n'ai jamais lu le manga et que je ne lirai potentiellement jamais. Que je ne fais pas toutes les versions. Ah, pareil, mais lui il est juste en 2 pièces, oui, parce qu'il n'y a pas d'armes ni rien à mettre. Ok. Il a cette petite tétine. J'ai l'impression que le truc pour emboîter est trop grand. Je fais quoi? Je la découpe?
c'est qu'il y a son bras qui gêne. Peut-être que c'est ça. Pas pratique du tout. Ça, c'est pour ça que j'aime pas du tout les figurines où faut emboîter quelque chose. Ça, si je force trop, je la casse, quoi. Non, j'ai réussi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et elle, elle a un vrai soc pour pied. Voilà. Donc voilà pour la deuxième. Ah, en fait, on voit pas beaucoup. Yay. Je vais le mettre là plutôt. Je vais les mettre là. Hop. On va virer Miku. Et on va les mettre là. Enma Junior. Koenma, pardon. Junior. Et pour terminer, il me reste le beau, le magnifique, le charmant, l'intelligent. Kurama. Oui, je n'ai pas pris Kuwabara. Je ne savais pas trop s'il faisait partie de cette collection ou pas, la figurine qu'il y avait de Kuwabara en boutique. Et potentiellement, du coup, quand je retourne sur Bordeaux, je me l'achèterai quand même. Parce que donc là, vraiment, pour ceux qui ne savent pas, Yo-Yo Hakusho est l'animé qui m'a servi, qui m'a sauvé au collège. Qui m'a permis de tenir vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y aurait pas eu Yo-Yo Hakusho, je pense que je n'aurais pas tenu aussi longtemps. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, que y a eu une année scolaire où j'ai arrêté l'école en fait en avril, mais il n'y aurait pas eu Yu-Yu Hakusho, je pense que j'aurais craqué dès décembre. Voilà, pour vous montrer quand même le niveau de puissance de Yu-Yu Hakusho sur moi, j'aurais abandonné l'école dès décembre. Et j'ai saigné l'animé bien peut-être 10 fois, en intégrale. Ils ont protégé. Oui, c'est ça. Comme Kurama a sa rose dans les mains, ils l'ont protégée avec un carton à l'arrière pour pas que ça se plie potentiellement. Trop bien ça. Donc là, c'est pareil, c'est le même système d'emboîtage du corps. Ce qui est bien, c'est que je vais laisser le carton le temps que j'emboîte la figurine pour protéger, pour pas moi-même faire de bêtises. Mais voilà, hop. Peut-être que là, ce sera plus simple parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bras, voilà, qui gêne. Donc ça s'emboîte très facilement. Et à savoir que du coup, EA de Yu Yu Hakusho, oui, bah forcément c'est Yu Yu Hakusho. Bref, EA, j'ai fait une de ses tenues en cosplay. Je n'ai pas fait le cosplay, je ne l'ai jamais porté, mais j'ai la tenue. Kurama, j'ai cette tenue-là, et la tenue jaune avec les rues en bleu. Voilà. Et il y a un autre personnage de Yu Yu Hakusho que j'aimerais faire en cosplay, mais ça va attendre que je finisse ma perte de poids. Mais dès que j'ai fini ma perte de poids, je le fais. Et donc voilà, pour terminer, Kurama. Voilà. Donc, je n'ai pas mis son socle. Mais c'est le même socle par contre que Iyei. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils l'ont fait vraiment de couleur violette pour se fondre en fait dans le décor. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça doit être encore cette chambre, je suppose. Là. Le problème, c'est sur leurs images, tu n'as pas la cale, donc tu ne sais pas à quel pied il faut mettre. Ah, voilà. Voilà. Et voilà le trio. Ils sont trop beaux.
cette vidéo Big Craquage chez Geek in Japan et figurine Yu Yu Hakusho est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like, mon commentaire ou mon partage. N'hésite pas à me dire quel est le personnage que tu préfères dans la série, celui que tu aimes le moins. Et surtout, qui tu aimes le plus et le moins dans la bande vraiment des quatre héros, on va dire. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve sûrement prochainement, en tout cas sûrement en janvier, pour une nouvelle vidéo figurine, parce que je pense du coup acheter celle qui me manquera du coup dans le lot. Sur ce, à bientôt !